Un passage qu'on a déjà beaucoup lu. Ein Vers, den wir schon des Öfteren gelesen haben. Beaucoup. Schon oft genug. Que nous connaissons par cœur. Den wir vom ganzen Herzen schon kennen. Mais nous allons lire. Cela ne nous empêche pas de lire ça. Aber es hindert uns nicht daran, das nochmal zu lesen. Et nous avons l'habitude. Und wir haben die Gewohnheit. De nous lever pour honorer la parole de Dieu. Si la santé vous permet, je vous prierai de vous tenir debout. Dann würde ich euch bitten, aufzustehen. Puis Dieu dit. Und Gott sagt. Faisons l'homme. Machen wir den Menschen à notre image, nach unserem Ebenbild, selon notre ressemblance, und unserer Ähnlichkeit, et qu'il domine, und damit er herrscht, sur le poisson de la mer, auf die Fische im Meer, sur les oiseaux du ciel, über die Vögel des Himmels, sur le bétail, über die Tiere, sur toute la terre, über die ganze Erde, et sur tous les reptiles, und alle Reptilien, qui rampent sur la terre, die auf der Erde kriechen. Et nous allons lire un autre passage. Und wir lesen einen anderen Vers. Je pense c'est dans Luc. Ich glaube, es ist in Lukas. 17. Lukas 17. Verset 11 à 19. Vers 11 bis 19. Si la technique peut nous aider. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. C'était à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Retenez ça. Glorifiant Dieu, vous pouvez rentrer un peu, merci. Glorifiant Dieu à haute voix. Indem er Gott mit lauter Stimme lobte. Glorifiant Dieu à haute voix. Indem er Gott mit lauter Stimme lobte. On peut continuer. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Seigneur Dieu Père, je te bénis pour ce moment. Je te bénis pour cette parole et ce moment de la parole. Éternel Dieu Père, ta parole déclare que si deux personnes sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose à mon Père, et la chose leur sera accordée. Et nous tous ici, nous voulons que tu nous parles. Et moi-même. Seigneur Dieu Père, parle-nous. Parle à ton Église et parle à ton peuple. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce peuple, Seigneur Dieu, tu ne l'as pas attiré en vain dans ta présence. Tu as attiré ce peuple dans ta présence pour un but. Parce que tout ce que tu le fais avec but. Et c'est pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas venus parce qu'ils n'ont rien à faire à la maison, non. Ils ne sont pas venus ici, Seigneur Dieu, parce qu'ils ne savent pas où aller, non. Ils sont ici parce que toi, tu les as attirés dans ta présence. Et tu as quelque chose pour chacun de nous ici présents. Et je crois de tout mon cœur que nous n'allons pas sortir de cet endroit tel que nous sommes venus. Ta présence est là, parce que là où deux, trois se réunissent en ton nom, tu es parmi nous. Bénis ta parole, que tout esprit de distraction, d'envoûtement, que ça soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Père Dieu, que le message soit clair et que la parole qui va sortir puisse tomber dans une bonne terre. Père Dieu, que cette parole qui est la semence puisse donner un jour de fruits qui vont glorifier ton Saint-Nom. Moi, que moi je puisse disparaître et que toi tu puisses apparaître. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Père Dieu, je ne veux pas transmettre mes pensées à moi, mais tes pensées à toi. Aide-moi à trouver le langage qu'il faut, le terme qu'il faut, les expressions qu'il faut pour que ce message tombe dans une bonne terre et il te glorifie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons un peu parler sur la santé. Wir werden ein wenig über die Gesundheit sprechen. La santé, ça nous intéresse tous. Die Gesundheit interessiert uns alle. Qui est-ce que la santé intéresse? Wen interessiert die Gesundheit?
Moi, la santé, ça m'intéresse. Die Gesundheit interessiert mich. Alors, c'est quoi la santé? Was ist die Gesundheit? Je vais essayer de définir la santé. Ich werde ein wenig versuchen, die Gesundheit zu definieren. Une définition. Es ist eine Definition. La santé est un état. Die Gesundheit ist ein Zustand. De complet bien-être physique. Eines guten Zustandes des physischen. Mental. Des mentalen. Et social. Und des sozialen. Et ne consiste pas. Und besteht nicht. Seulement en une absence de maladie. Nicht nur in Abwesenheit einer Krankheit. Ou d'infirmité. Oder einer Beeinträchtigung. Cette définition. Diese Definition. C'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Ist die Definition einer Weltorganisation für die Gesundheit. Et ça date. Und. De 1946. Und es von 1946. Et n'a pas été modifié depuis. Und wurde seitdem nicht erneuert oder modifiziert. Ça, c'est la définition d'après l'Organisation mondiale de la santé. Der weltlichen Organisation für die Gesundheit. Et il y a une autre définition. Und es gibt eine andere Definition. C'est une définition, es ist eine Definition biblique. Eine biblische Definition. Qui nous dit ceci. Die uns folgendes sagt. Selon la Bible. Gemäß der Bibel. État d'une personne. Der Zustand einer Person. Dans l'organisme. In dem der Organismus. Fonctionne bien. Gut funktioniert. Fonctionne bien. Gut funktioniert. Et je me suis un peu renseigné. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Sur la santé. Über die Gesundheit. Le père de la médecine. Der Vater der Medizin. Hippocrate. 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 Donc, on dit qu'il avait raison. Man sagt, dass er recht hatte. Lorsqu'il avait dit. Wenn er sagte. L'homme sage. Der weise Mensch. Devrait considérer que la santé est la plus grande bénédiction. Müsste zugestehen, dass die Gesundheit der größte Segen eines Menschen ist. C'est intéressant. Das ist interessant. Il doit être chrétien, c'est sûr. Er muss sicher Christ gewesen sein. Et l'article traite les mesures préventives, mesures préventives que vous pouvez employer pour assurer la santé saine et sauve. Comment assurer une bonne santé? Wie kann man eine gute Gesundheit vorbeugen oder versichern? Ça, c'est le monde qui nous dit ça. Das ist die Welt, die uns sagt. Un régime alimentaire équilibré. Eine gute, ausgewogene Ernährung. Je ne développe pas ça. Ich gehe da nicht näher ein. Je vous cite juste quelques points. Ich nenne euch nur einige Punkte. Exercice physique. Körperliche Bewegung. Beaucoup ne le font pas. Viele machen es nicht. Surtout les Africains. Vor allem wir Afrikaner. Les Blancs sont courageux. Die Weißen sind eher mutiger. Même les vieux. Sogar die Alten. Les grands, les vieilles dames. Die älteren Damen sogar. Même en hiver. Auch im Winter. Nous sommes toujours à la maison. Aber wir sind immer zu Hause. Bon, pas tout le monde quand même. Aber nicht alle. Aber la plupart. Ein Großteil. Devant la télé. Vor dem Fernseher. En train de regarder théâtre. Indem wir uns Theaterstücke ansehen. De chez nous. Et nous nous étonnons quand nous tombons malades. Und wir wundern uns, wenn wir krank werden. Ah, ok. Moi, je me réveille très tôt matin. Ich stehe sehr früh in der Früh auf. Et j'habite maintenant au 22e. Und ich lebe nun im 22. Il y a un parc à côté. Und bei mir in der Nähe gibt es einen Park. Il y a les appareils de fitness. Und es gibt so Fitnessgeräte im Park. Et moi, j'ai l'habitude maintenant. Und ich habe nun die Gewohnheit. De faire le sport le matin. Sport zu machen in der Früh. Au moins 20 minutes par jour. Zumindest 20 Minuten pro Tag. C'est programmé. Es ist schon programmiert. Je prends ma montre. Ich nehme meine Uhr. Je mets 23 minutes. Ich gebe 23 Minuten. 3 minutes de route. 3 Minuten auf dem Weg dorthin. Et 20 minutes. Und 20 Minuten au parc. Im Park. Et après 20 minutes, ça sonne. Und nach 20 Minuten läutet mein Timer. À la maison. Und ich gehe dann zurück nach Hause. Chaque jour. Jeden Tag. C'est nécessaire. Es ist wichtig. Soins de santé. Die Pflege der Gesundheit. Donc, on a cité quelques points. Un régime alimentaire. Einige Punkte, eine gute, ausgewogene Ernährung. Il faut bien manger. Man muss gut essen. Ne mangeons pas tout. Essen wir nicht alles. Tout ce qu'on présente sur la table, nous mangeons. All das, was man uns am Tisch präsentiert, essen wir. On aime beaucoup la viande. Wir lieben sehr viel Fleisch. Trop. Sehr viel. Et tout excès nuit. Aber zu viel von allem ist schlecht. Il faut équilibrer les choses. Man muss die Sachen ausgleichen. Ça, c'est la parole qui nous demande ça. Das ist das Wort, das uns darum bittet. La plupart des Africains. Ein Großteil von Afrikanern. Je ne sais pas si c'est le retard que nous sommes en train de récupérer. On mangeait la viande. Wir haben Fleisch gegessen. Jusqu'à il y avait Noël.
Nur wenn wir Weihnachten gefeiert haben. Oder Neujahr gefeiert haben. Là, on achète la viande. Da haben wir Fleisch gekauft. Moi, je viens de l'internat. Ich komme vom Internat. L'internat de prêtres salésiens catholiques. Ein katholisches Internat im Kongo. Et on mangeait la viande juste chaque semaine le dimanche. Jede Woche am Sonntag Fleisch gegessen. Chaque jour haricots. Jeden Tag Erbsen. Haricots et du riz. Erbsen und Bohnen, Reis. Bohnen. Bohnen und Reis. Donc ma femme sait bien. Meine Frau weiß. Et que moi, je lui disais même avant qu'on était fiancés. Ich habe ihr schon davor gesagt, als wir verlobt waren. Tu dois savoir préparer le haricot. Du musst wissen, wie man Bohnen vorbereitet. Pour vivre en paix avec moi. Um mit mir in Frieden leben zu können. Donc si tu ne sais pas. Wenn du das nicht weißt. Là tu as un problème. Da hast du ein Problem. Et s'il faut que j'écrive une lettre à ton père. Und wenn ich einen Brief an deinen Vater schreiben muss. Je le ferai. Werde ich das machen. Heureusement. Aber Gott sei Dank. Elle a été sage. War sie weise. Elle a passé quelques jours chez mes parents. Sie hat einige Tage bei meinen Eltern verbracht. Elle a vu comment maman fait les haricots. Und sie hat gesehen, wie meine Mama das vorbereitet hat. Et elle fait très bien. Und sie macht es sehr gut. Et je suis béni. Und ich bin gesegnet. Un autre point. Ein weiterer Punkt. La santé émotionnelle. Die emotionale Gesundheit. Nous devons contrôler nos émotions. Wir müssen unsere Emotionen kontrollieren. Nous devons contrôler ça. Wir müssen unsere Emotionen kontrollieren. Nous prenons des décisions qui sont mauvaises. Wir treffen Entscheidungen, die schlecht sind. Sur base de nos émotions. Auf Basis unserer unserer Emotionen, unserer Gefühle. Et c'est une erreur. Und das ist ein Fehler. Erreur avec E majuscule. Ein Fehler mit einem großen F. Une grande erreur. Mit einem ein großer Fehler. Prenez des décisions sur base de principes. Trifft Entscheidungen auf Basis von Prinzipien. Parce que le Dieu en qui vous croyez, weil an dem Gott, an dem ihr glaubt, le Dieu qui vous a créé, der Gott, der euch geschaffen hat, c'est un Dieu de principes. Ist ein Gott von Prinzipien. Il nous a créé à son image, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, à sa ressemblance, nach seiner Ähnlichkeit. Et nous devons refléter ce qu'il est. Und wir müssen das reflektieren, das er ist. Par notre façon de vivre, durch unsere Art und Weise zu leben, notre façon de parler, unsere Art und Weise zu sprechen, et notre façon de faire les choses, und unsere Art und Weise Sachen zu machen. Dieu n'est pas dans les émotions. Gott ist nicht in den Emotionen. Tu peux être malade. Du kannst krank sein. Pleurer comme tu veux. Weinen, wie du willst. Dieu ne te guérit pas. Aber Gott wird dich nicht heilen. Parce qu'il a pitié de toi. Weil er Mitleid mit dir hat. Non. Nein. Tu peux pleurer. Du kannst weinen. Du matin au soir. Von morgen bis am Abend. Dieu ne te guérit pas parce qu'il a pitié de toi. Gott wird dich nicht heilen, weil er Mitleid mit dir hat. Il est dans les principes. Er ist in den Prinzipien. C'est pourquoi quand nous prions. Deswegen, wenn wir beten. Prions toujours avec la parole. Beten wir immer mit dem Wort. Parce que Dieu ne connaît pas tes émotions là. Weil Gott kennt deine Emotionen nicht. Il ne comprend pas ça. Diese Art und Weise zu sprechen kennt er nicht. Dieu reconnaît sa parole. Gott erkennt sein Wort. Dieu, tu as dit ceci. Gott, du hast das gesagt. Et pour la santé. Und für die Gesundheit. Il a déjà assuré. Hat er schon Zuversicht gegeben? Il y a l'assurance qui est déjà là. Es gibt die Zuversicht, die schon da ist. Donc, quand vous avez l'accident, wenn ihr einen Unfall habt, réclamez juste vos droits. Dann bittet nur um euer Recht. Et vous allez voir. Und ihr werdet sehen. Et des fois, nous ne réclamons pas nos droits. Und manchmal verlangen wir nicht nach unserem Recht. On se met à pleurer. Und wir fangen an zu weinen. Il y a certains parmi nous qui ont des assurances, non? Es gibt einige unter uns, die ihre Zuversicht schon haben. La banque ne viendra pas te chercher. Die Bank wird dich nicht suchen kommen. Tu dois informer la banque. Du musst die Bank informieren. J'ai eu l'accident. Ich hatte einen Unfall. Et j'ai mes droits. Und ich habe meine Rechte. Et réclamez vos droits. Und bezieht euch auf eure Rechte. L'hélicoptère viendra vous chercher. Ein Hubschrauber wird kommen und euch. Le premier point que je peux vous donner, den ersten Punkt, den ich euch gebe, j'ai déjà donné le message. Ich habe schon die Nachricht gegeben. Tu as besoin de la santé, du brauchst die Gesundheit, pour accomplir le but de ta vie. Tu as besoin, du brauchst de la santé, die Gesundheit, pour accomplir les buts de ta vie. Das Ziel deines Lebens zu verwirklichen. On a lu, wir haben gelesen, Genèse 1:26. Genesis 1:26. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nach seiner Ähnlichkeit und nach seinem Ebenbild. Et après un temps, il dit. Und nach einer Zeit sagt er. Qu'il domine. Möge er herrschen. Qu'il domine au pluriel. Möge er herrschen im Plural. Homme et femme. Mann und Frau. Alors. Also. Pour dominer. Um zu herrschen. L'homme. Der Mann. Est censé être en bonne santé. Muss der Mensch gesund sein.
Parce que quand nous sommes malades, weil wenn wir krank sind, des fois nous n'arrivons pas à servir Dieu. La maladie nous limite. Die Krankheit begrenzt uns. Nous limite beaucoup. Limitiert uns sehr. Parce que moi je ne pouvais plus servir. Weil ich konnte nicht mehr dienen. Ça nous limite beaucoup. Es begrenzt uns sehr. Et ça c'est pas la volonté de Dieu. Das ist nicht der Wille Gottes. Ça c'est pas la volonté de das Dieu. Das ist nicht der Wille Gottes. Tu dois être en forme. Du musst gesund sein. Pour servir Dieu. Um dem Herrn et pour accomplir zu le but um das Ziel de ta vie. Zu verwirklichen, welches parce que Leben besteht. L'esprit de limitation, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ist nicht ein Geist ça ne vient pas de Dieu. Es kommt nicht c'est le diable Gott. Qui nous limite. Es ist der Teufel, der uns vous connaissez la vérité die et la vérité vous rendra libre. Wird euch frei la vérité machen. Vous affranchira. Wird euch et la vérité, c'est Jésus. Und die Wahrheit Jésus, Jésus veut que tu sois en bonne santé. Will, c'est le premier bist. Point que je te donne. C'est un principe. Tu as besoin de la santé pour accomplir les buts de ta vie. Das Ziel deines Lebens Dieu ne te guérit pas parce qu'il a pitié de toi. Non, nein. Il te guérit parce qu'il a besoin de ton corps. Weil deinen Körper braucht. Dieu, tu as besoin de mon corps. Gott, alors guéris-moi. Also, moi, mich. Je suis un canal ich bin ein de bénédiction pour ma génération. Für meine Generation. Alors tu as intérêt also, ist es à me guérir parce que tu as donné l'autorité, la domination, die domination sur la terre auf der Erde, à l'homme. Den Menschen. Pas aux anges, nicht den Engeln, pas l'esprit, nicht den Geistern, à l'homme. Aber den Menschen. Donc, il faut avoir le corps also brauchst du den Körper, pour régner sur la terre. Auf der Erde herrschen il faut avoir le corps. Also, sans den corps, Körper haben. Tu es illégal. Körper, bist du illégal. Si tu perds le corps, wenn du den Körper verlierst, tu n'as plus la permission de vivre sur la terre. Hast du kein Recht mehr auf Erden si zu tu es alien, wenn du un alien, wenn alien. Ein Alien bist, tu n'as pas la permission de vivre sur la hast terre. Du kein Recht auf Erden zu leben. Donc, on peut te tuer. Also kann man dich töten. Dieu guérit moi. Gott heilt parce que j'ai un corps et tu as besoin Körper de ce corps. Und du brauchst je suis Körper. Un canal de ich bénédiction, bin ein, Kanal des un instrument sur la terre ein Instrument auf der Erde, que tu dois utiliser. Welches du verwenden musst. Et qu'est-ce que nous faisons comme prière? Was machen wir nous pleurons. Wir weinen. Vous avez des droits. Ihr habt Rechte. Donnez à Dieu la parole. Gib dem Herrn tu m'as donné la domination. Du hast mir die Domination. Et comment est-ce que je vais dominer? Und wie werde ich Jésus nous a démontré cela. Der Herr muss uns das zeigen. Il a dominé sur les circonstances. Er hat über die Umstände il dominé. N'a pas dominé sur les hommes. Er hat nicht über die il a dominé sur les démons. Er hat über die et vous avez l'autorité, und ihr habt le pouvoir de dominer sur les démons, über die Dämonen zu de les chasser. Sie zu verjagen. Les démons n'ont pas die le pouvoir, haben keine la permission die Erlaubnis d'entrer dans vos corps. C'est pourquoi Jésus a chassé les légions. Deswegen hat Jesus une armée romaine puissante. Eine starke römische Jésus les a chassés. Macht, hat Gott aus dem Körper eines Menschen verjagt. Et il a dit que und hat gesagt, vous allez faire ihr werdet plus que ce que moi je fais. Ihr werdet mehr machen, als ich pourquoi habe. Parce qu'il y a une puissance qui va weil venir sur vous. Eine Macht, le Saint-Esprit. Wird, der Heilige Geist. Il va vous révéler de grandes choses. Er wird große Sachen offenbaren. Et vous allez faire de grandes choses. Und ihr werdet große Sachen machen. Vous allez être capable de déplacer même les montagnes. Sein, il suffit juste une foi comme ça. Es reicht nur so ein Glaube. Et déclarer, vous allez voir. Sprich das auch, vous êtes intimidé par la maladie. Ihr seid eingeschüchtert durch c'est le cancer. Ist es Krebs? C'est le sida. Ist es AIDS? Ça n'a pas un nom. Les docteurs Name. Ne savent pas. Die Ärzte wissen, mais moi je te dis et tu sais. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est le nom de Jésus. Et devant ce nom, tous genoux fléchis. Et toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. C'est le nom de Jésus. Il est celui qui nous guérit. Er ist derjenige, der uns heilt. À la croix, il a tout accompli. Am Kreuz hat er alles verwirklicht. Il a pris ta place. Er hat deinen Platz eingenommen. Combien de gens il a guéri? Wie viele Leute hat er geheilt? Beaucoup. Viele. Le deuxième point que je vous donne. Der zweite Punkt, den ich la maladie te limite. Die Krankheit begrenzt dich. Et te rend pauvre dans und la vie. Macht dich arm im Leben. Te rend pauvre. Macht dich arm im Leben. Vous pouvez, ok, le passage est là. On n'a pas le temps de lire. Wir c'est la femme, la femme à la perte du sang. Die Frau, die viel cette femme a tout dépensé. Diese Frau hat alles tout ce qu'elle avait. Sie hat alles gegeben, was pour acheter les médicaments. Um Medikamente zu kaufen. Quand la maladie entre dans la famille, als wenn die Krankheit in die Familie la vie kommt, change, verändert das das Leben. Il faut dépenser man muss ausgeben. Pour acheter les médicaments. Um Medikamente et vous devenez pauvre. Und ihr werdet vous arm. N'avez pas assez. Ihr habt nicht vous genug. Travaillez pour un salaire. Ihr arbeitet für ein et quand vous payez la maison, und wenn ihr das habt, vous payez les factures habt, et c'est fini. Bezahlt, et il faut payer encore les médicaments. Aber man muss auch noch die Medikamente bezahlen. La maladie vous rend pauvre. Die Krankheit macht cette femme arm. A tout dépensé, tout. Frau hat alles gegeben. Les docteurs ne pouvaient rien faire. Die Ärzte konnten nichts für sie tun. Quelles que soient les années qu'ils ont fait de médecine. Egal wie lange sie Medizin studiert haben oder sonst irgendwas. Faites confiance à Dieu. Vertraut dem Herrn. C'est lui qui a créé le corps. Derjenige, der les docteurs, geschaffen hat. Même s'il die a fait 10 ans auch wenn er 10 à l'université, auf der Uni war, il ne connaît pas le corps.
Er kennt den Körper nicht. C'est le Créateur qui connaît le corps. Der Schöpfer kennt den Körper. Et il sait où toucher. Und er weiß, wo er zu berühren. Il sait où bouger. Er weiß, wo er was zu bewegen hat. Avec sa parole. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. S'il y a quelque chose qui manque en toi, et il suffit juste qu'il déclare et ça vient. Ça vient. Et tu ne dois pas être limité. Tu ne dois pas être pauvre. Tu ne dois pas être limité. N'accepte pas cela. Ce que tu vis, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est ce que la Bible te dit. Bien-aimé, j'aimerais que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Ça, c'est la parole. Et crois à la parole de Dieu. C'est la vérité. Dieu place sa parole au-dessus de son trône, au-dessus même de son nom. Il est fidèle. Il respecte sa parole. Et quand tu donnes à Dieu sa parole, et tu verras. Et chaque fois, il disait, ta foi t'a sauvé. Où est ta foi? Où est ta foi? Nous sommes bénis de vous avoir. Et nous allons juste faire une prière de foi. Quel que soit ce que tu as comme maladie. Jésus est le bouc Azazel. Il est le bouc Azazel. Il est celui qui t'a guéri. Il est celui qui t'a guéri. Il est celui qui t'a guéri. Fais une prière de foi. C'est encore possible. Et la parole de Dieu ne sort pas en vain comme ça. Elle ne va pas retourner sans avoir accompli, réalisé le pourquoi. Das, ohne das zu verwirklichen, warum es rausgekommen ist. Jésus, mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme. Amen. Jésus, mon bouc Azazel, salut de mon âme. Amen. Oh Jésus, Jésus, mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus, Jésus, mon bouc Azazel, pour le salut. Salut de mon âme. Toi qui es malade, touche là où tu souffres. Ton agneau Azazel te guérira. Toi qui es malade, touche là où tu souffres. Ton agneau Azazel te guérira. Jésus, Jésus, mon bouc Azazel, mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme, pour le salut de mon âme. Amen. Amen. Jésus, Jésus, mon bouc Azazel, mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme, pour le salut de mon âme. Amen. Père Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Seigneur Dieu Père, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance des ténèbres, et rien ne peut nous nuire. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Père Dieu, à ce moment, par la foi, oh Dieu, je touche tous ceux qui sont malades maintenant, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu, tu as besoin de ce corps. Tu as besoin de ce corps parce que tu as donné la domination sur la terre à l'homme. Et l'homme doit avoir le corps, doit être en bonne santé pour te servir. La maladie ne va pas limiter ton peuple. Père Dieu, tu as tout accompli à la croix de Golgotha.
et je proclame la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri, reçois la guérison. J'ai la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi je crois. Et Jésus te demande, est-ce que tu crois? Et si tu crois, tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et tout ce que vous demandez, selon ma volonté. Et je demande selon ta volonté. L'homme doit être en bonne santé pour dominer. Nous devons dominer sur les circonstances. Nous devons dominer sur les maladies. Nous devons dominer sur les cancers, sur les sida, quel que soit le nom de la maladie. Moi, je sais qu'il y a un nom. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel nous sommes guéris. Nous sommes restaurés. Nous sommes transformés. Que la maladie ne t'intimide pas. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Tu es guéri. Et la foi. Et la foi.